tu les mets où tu veux. D'accord, bien, on se met les deux capteurs derrière la main. Voilà, vous mettez tous les deux là. C'est hier, j'ai dit, j'ai vu. Petite cérémonie en mémoire de l'icône planétaire du football qui nous a tristement quitté cette semaine, Diego Armando Maradona, avec, comme sur tous les terrains du monde, cette chanson La Mano de Dios qui retentit dans la sono, au travers la sono du stade du Moustoir, et les deux formations effectuent se sont positionnées pour matérialiser sur la pelouse le M magique, comme mastodontique, comme Maradona, pour l'immensissime joueur qu'il fut et qu'il restera dans la mémoire collective, Diego Armando Maradona. Merci beaucoup. Ouais, tant qu'on reste comme ça finira par payer. Dommage pour le penalty raté. Mais voilà, je ne l'incrimine pas parce qu'il en a tellement marqué. Voilà, faut continuer comme ça, dans l'état d'esprit on y est, dans la récupération de ballon on est bien, faut qu'on joue un petit peu plus juste, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Jamais j'aurais imaginé, que le palpitant tape aussi vite à la fin d'un match comme celui-là.
On laisse trop jouer, on laisse trop jouer. 80, il reste 30 secondes. 30 secondes, bon sang, tapez loin, la tête de Mendes maintenant. Récupération de Lemoine. Allez, Hilton, loin devant pour Kigandoli, il faut mettre le pied. Eh bien non, l'Orienté ont à nouveau la balle, peut-être leur dernière cartouche. Il centre dans la surface, réparation, Mobley ne sort toujours pas. La tête de Mendes, prend là. Oui, prend là, il l'a prise, ça y est, on va finir ce match. C'est terminé. Le camp Montpellierain exulte enfin. Quatrième victoire de rang du MHSC. Pas la douleur sur la fin de la partie, mais globalement un match bien maîtrisé. Eh bien, ironique l'histoire, c'est Petar Skuletić qui donne la victoire au MHSC, une victoire qui n'est vraiment pas imméritée. Et Mihajlo Ristić, le premier, s'en va féliciter Petar Skuletić. Eh bien, lui qui avait marqué à Monaco la saison dernière, marque le but de la victoire ici. Et voilà, il faut continuer avec cet état d'esprit et gagner les matchs, voilà, ça nous fera avancer au classement. Trois points supplémentaires pour Montpellier, je vous laisse le plaisir de regarder le classement à l'issue de cette rencontre, la 12e de la saison pour le MHSC. Comme on dit de par chez nous, vous pouvez le marquer, carton plein, la quille est bonne. 12 points sur 12 au mois de novembre, 4 victoires de rang ce même mois pour le MHSC. C'est peu de le dire, ils surfent sur la vague du succès. Et pourquoi pas la passe de 5, soyons fous, contre Paris. L'histoire a déjà accouché de quelques victoires à Montpellier, ne fût-ce contre les titanesques joueurs de Thomas Tuchel. On verra, samedi prochain. Et en tout cas, le cœur léger et plein de bonne volonté, la tête totalement aérée et une occasion, on imagine, d'un nouvel exploit. Et ça chauffe, on ne pas quand même, mais...